Paso ya a presentarles al conferenciante de hoy. Se trata del profesor Todorov, ensayista francés de origen búlgaro, que ha tratado asuntos tan diversos como el lugar del individuo en la pintura del Renacimiento, la conquista de América o la guerra de Irak. Como saben, ha sido Premio Príncipe de Asturias este año, en el 2008, de las ciencias sociales y es director honorario del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en París. Donde trabaja desde el año 68 y donde también ha sido director ejecutivo. También ha sido profesor invitado en universidades de Norteamérica, Yale, Columbia, Berkeley, Harvard o también en la Sorbona y en otras muchas. Es un prestigioso historiador de las ideas y un humanista crítico. A lo largo de 40 años, su obra ensayística y literaria ha versado sobre filosofía, lingüística, teoría de las artes y literatura, así como sobre la historiografía y la antropología. Como ve, ha tratado muchos campos y este último año, como digo, su figura ha resaltado, sobre todo en España, por el tema del, del Premio Príncipe de Asturias y también porque eh, ha publicado cuatro de sus últimos libros en español. Intervino el pasado año con, aquí en el curso de la Fundación con una magnífica conferencia precisamente sobre Rembrandt, la exposición que tenemos ahora aquí en el museo, y por sus estudios realizados sobre la pintura flamenca del Renacimiento, recogidos en el libro. Elogios del individuo, nos pareció que era indispensable su presencia hoy aquí. Su conferencia se titulará El Retrato Flamenco de Robert Campán y el descubrimiento del individuo. Lorsqu'on arpente les salles d'un grand musée européen, un changement radical dans la nature même des tableaux saute aux yeux quand on passe, disons, de 1350 à 1450. Nous disposons du reste pour cela. De deux noms qui sont entrés dans l'usage commun, Moyen-Âge et Renaissance. Nous aurions pourtant un peu de mal à dire en peu de mots en quoi consiste le sens de ces deux mots. D'autant plus qu'on se rend rapidement compte, l'une des périodes prépare l'autre, et inversement, les traces de la. La première subsiste dans la seconde. La question mérite donc d'être posée. Qu'entendons-nous exactement par ces termes Les historiens sont d'accord aujourd'hui on ne saurait tenir pour décisif le critère suggéré par le mot même de renaissance la redécouverte de l'art et de la civilisation de l'antiquité grecque et romaine. Même en Italie, où ce mouvement est pourtant bien attesté, la redécouverte de l'ancien n'est qu'un moyen pour faire du nouveau. La réappropriation des formes anciennes, de la pensée ancienne, permet l'expression d'une sensibilité et d'une mentalité Moderne. À plus forte raison, aucune renaissance, en ce sens du mot, ne se produit dans le nord de l'Europe, si ce n'est par l'intermédiaire des Italiens. Ce à quoi on assiste plutôt, c'est la recherche d'une forme nouvelle pour rendre compte d'expériences également neuves. Le dénominateur commun de ces changements n'est pas la redécouverte de l'antiquité, mais la découverte de l'individuel. Dans la pensée, dans les représentations, en politique, on commence à accorder une plus grande valeur à l'individu humain, qui cesse d'être un simple jouet entre les mains de Dieu ou un fait matériel parmi d'autres soumis à l'ordre de la nature. Il devient maintenant celui qui influence son propre mode de vie, public ou privé, qui cherche à connaître le monde par lui-même et non en se contentant d'une image transmise par la tradition, qui fait part aux autres de sa propre vision et de sa compréhension du monde, non seulement de ce que les choses ont été et seront pour l'éternité du temps. L'individualité ne concerne pas du reste les seuls êtres humains, le monde matériel lui-même est perçu dans la singularité inimitable de chaque moment, de chaque lieu. Un paysage, un habit, un objet, ne se contente pas d'illustrer une catégorie générale. Ils existent aussi en eux-mêmes, intransitivement. Cela ne veut pas dire, on s'en doute, que cette présence est exclusive de son contraire, tout comme l'individu n'a jamais été entièrement absent. Les catégories abstraites ne reculeront pas du jour au lendemain mais s'instaure à ce moment un équilibre nouveau. La mise en valeur de ce monde individuel, concret, matériel, ne suit pas le même rythme dans les différentes séries qui composent la vie sociale. Elle rencontre des résistances de forces variables. En peinture, le changement sera plus net qu'ailleurs et il se laisse situer de manière relativement précise. Il se produit dans la première moitié du XVe siècle, en Italie bien sûr, mais aussi et même de manière particulièrement nette dans l'Europe du Nord, dans ce qu'on a appelé l'art flamand. La révolution qui est en train de se produire consiste à établir une solidarité entre représentation et vision. Dorénavant, le statut même de l'image, et non seulement son contenu ou sa manière, est changé. La peinture ne sert plus avant tout à transmettre un sens ou à montrer l'objet tel qu'on... ou à enseigner une attitude, mais à montrer ce qui se voit. Elle devient un art de la vision. Or, montrer l'objet tel qu'on le voit, c'est le montrer dans son individualité. Ce qu'on appelle couramment le réalisme en peinture, est un effet de cette émergence ou réémergence de l'individu. Représenter les choses et les êtres dans leur singularité, c'est les donner à voir tels qu'ils s'offrent au regard naïf, tels qu'ils peuvent exister dans le monde réel. Tout objet de représentation sera progressivement individualisé. Les paysages, les objets, les scènes d'interaction entre personnages. Mais un genre de peinture est à cet égard plus parlant que les autres. C'est celui qui figure des êtres humains particuliers, car c'est le visage qui concentre en soi l'individualité humaine. C'est à cette époque, en effet, que l'on invente le portrait individuel, tel qu'il n'a pas cessé d'être pratiqué depuis. On peut remarquer, certes, que dans l'Antiquité déjà, on trouve des portraits d'individus, mais ils assument des fonctions bien précises de commémoration des défunts ou de glorification. Des personnages illustres. À l'époque chrétienne, sans pour autant disparaître, cette pratique se tarit. On n'a jamais cessé de représenter les personnages les plus imposants, rois, princes ou papes, sans pour autant se préoccuper beaucoup de la ressemblance avec leur modèle. C'est la fonction est mise en valeur plus que l'individu. À partir du XIVe siècle, l'on commence à produire des portraits individualisés dans un double sens du mot, à la fois en isolant le portrait en tableau séparé au lieu de l'inclure dans une scène et en reproduisant des traits individuels du modèle. Le plus ancien portrait autonome de cette époque dont on dispose est celui du roi de France Jean le Bon, qui présente un individu de profil. On le date de 1349. C'est le visage d'un individu à nul autre pareil. Pour avoir une idée des portraits que l'on savait peindre, au tout début du XVe siècle, l'on peut contempler l'un des meilleurs exemples préservés, le portrait d'un personnage dont on ignore l'identité exacte et qui se trouve aujourd'hui de l'autre côté de la rue à la fondation Thyssen-Bornemicha dans cette ville. Le visage de ce jeune homme, qu'on identifie parfois avec un certain Wenceslas de Luxembourg, qui a été peint au tout début du XVe siècle, occupe, comme vous le voyez, toute la surface du tableau. Il n'y a pas d'espace en dehors du visage. Le peintre s'en est tenu à un strict profil, alors qu'une vision de trois quarts crée une profondeur dans l'espace. Ici, nous sommes face à un portrait posé à plat. Le visage est à la fois représenté et schématisé. Il est réduit à une épure, un emblème, et il rappelle les médailles romaines sur lesquelles ont gravé le pur profil de l'empereur. Le fond derrière ou à côté du portrait ne correspond pas à l'espace où se tenait cet individu. Il a été extrait de son environnement habituel et de cette manière rendu plus essentiel. Ce qu'on nous montre, c'est en somme une forme d'essence de ce personnage. Son regard se porte au loin, il ne réagit pas à la situation de sa représentation. En cette matière, comme plus généralement dans l'histoire de la peinture flamande, le grand novateur s'appelle Robert Campin. Campine. Il y a à peine plus de 100 ans, jusqu'à la fin du XIXe siècle, ce nom ne signifiait rien. Mais l'histoire de l'art est familière de ces brusques changements de fortune. Vermeer, Georges de la Tour, Georges de la Tour ont connu un destin semblable. La naissance moderne de Campin date de 1898 quand l'historien de l'art Hugo von Chudy isole un ensemble cohérent de tableaux parmi ceux qui jusque-là sont attribués à Roger van der Weyden ou à d'autres artistes contemporains. Dix ans plus tard, en 1909, un autre historien, Georges Hulin de Lau, aboutit à une ingénieuse déduction. Il a à son tour réussi à isoler un autre groupe de tableaux contemporains et établir que leur auteur, est un certain Jacques Darré. Or, les œuvres de Darré, comme celles de Van der Weyden, révèlent de rapports de dépendance avec le groupe de tableaux isolé par Fontchudi. La conclusion s'impose ce dernier groupe doit être l'œuvre du maître de Darré et de Van der Weyden. Or, on sait qu'ils avaient effectivement un maître commun et que ce maître s'appelait Robert Campin. Robert Campin est né vers 1378. Sa famille vient de Valenciennes, d'une région du nord de la France, limitrophe de la Flandre. La première mention documentée le situe à Tournai, une ville des environs en 1406, et le nomme déjà peintre. On suppose, en se fondant sur des ressemblances de motifs, qu'il a étudié à la cour de Bourgogne. La Bourgogne est à l'époque un État indépendant, le duché de Bourgogne, et sa capitale se trouve à Dijon. Les années suivantes, on trouve régulièrement des mentions de son nom pour divers travaux qu'ils exécutent ou pour des acquisitions immobilières, ce qui indique qu'ils n'étaient pas pauvres. Entre 1418 et 1932, son ascension professionnelle franchit un degré de plus. Il est apparemment le chef d'un atelier avec un, ensuite plusieurs apprentis, parmi lesquels... Il y a Roger van der Weyden et Jacques Daré. Il est aussi le doyen des peintres de Tournai. C'est à ce moment aussi que se situent ses activités politiques. En effet, il en a, d'une certain, certaine forme, Tournai est la scène d'un conflit. La ville est située en dehors du duché de Bourgogne, mais très près de lui. Les deux cours rivales, française et bourguignonnes, se disputent son contrôle. Dans la ville, ce conflit se traduit par l'opposition entre la haute bourgeoisie qui est pro-bourguignonne et les artisans, donc les peintres, qui sont pro-français. En tant que doyen de sa corporation, Campin, sans être un des meneurs, se trouve engagé dans ces combats du côté Populaire. Pendant cinq ans, de 23 à 28, les incidents se multiplient. C'est finalement le parti bourguignon qui l'emporte, et en 1429, Campin est condamné en justice à une amende, un pèlerinage imposé, privation de certains droits, pour avoir refusé de témoigner au procès d'un des chefs de la révolte. Ensuite, il est de nouveau condamné en 1932, théoriquement pour adultère, mais probablement encore par vengeance politique. Après cette date, il n'a plus d'apprenti, mais, mais il continue de peindre. Il meurt en 1445. Observons maintenant l'un des tableaux qui ont fait la renommée de Campin aujourd'hui sa nativité le spectateur d'aujourd'hui le spectateur que nous sommes éprouve probablement devant ce tableau une certaine gêne parce qu'il est un peu un peu encombré par tous ces personnages qui se bousculent les uns à côté des autres dans le petit espace du tableau à commencer par ces anges un peu ridicules qui flottent dans les airs et qui, en plus, non seulement s'immiscent dans une scène tout à fait réaliste, mais tiennent à nous faire connaître leurs pensées qui figurent sur les phylactères qui pendent d'en haut. comme d'ailleurs le font aussi les deux femmes qu'on voit plus bas, dont le spectateur se dit aussi dans un premier temps qu'ils ne sont pas tout à fait nécessaires à cette scène de la nativité. Du reste, la technique moderne de la reproduction permettrait de réaliser le souhait inconscient de ce spectateur contemporain. Et si on isolait certains fragments du tableau, on disposerait là de quelques grandes premières dans l'histoire de la peinture occidentale. En haut, on aurait le premier paysage de cette peinture, paysage hivernal d'un du, pays du nord, la Flandre par exemple. On aurait aussi la vache à l'étable, plus bas. Il y a aussi derrière un âne, mais on l'aperçoit à peine. On aurait ensuite une scène de genre, ce sont les bergers qui sont venus admirer la naissance du, de Jésus. Et enfin, le portrait d'un vieillard, qui est Joseph, bien sûr, qui se tient au milieu. La nouveauté de l'art de Campin éclaterait à ce moment, mais ce serait bien sûr trahir ses intentions, car ce tableau se caractérise justement par l'accumulation et la juxtaposition d'éléments isolés qui donnent une impression globale d'addition plutôt que d'intégration. Puisque ce tableau raconte une histoire, il faut d'abord apprendre à la lire. La spécificité de ce tableau provient précisément de la présence de deux femmes à droite. Campin s'inspire ici d'un épisode qui figure dans les évangiles apocryphes et qui est repris dans la légende dorée. Sentant s'approcher l'heureux événement, Joseph a fait appel à deux sages femmes en leur annonçant que son épouse, pourtant vierge, est en train d'accoucher. La première, vue de dos dans le tableau, est appelée Zébel par Campin, qui lui fait dire la Vierge a accouché. La seconde, nommée Salomé, est plus méfiante et elle dit, Une Vierge qui accouche, je croirai si j'ai des preuves. Mais à peine a-t-elle prononcé ces paroles impies que sa main droite qui s'apprêtait à chercher l'épreuve dans le corps de la Vierge, se dessèche. Mais tout n'est pas perdu. L'un des anges se sépare de ses compagnons et vient près de Salomé en lui annonçant, Touche l'enfant et tu guériras. La naissance miraculeuse est en même temps l'occasion d'une première guérison miraculeuse. Tenter de toucher la Vierge tue la main, mais toucher son enfant la ressuscite. Quant aux autres anges, ils trouvent dans ce miracle une raison de plus pour chanter la gloire de Dieu. Un autre élément du tableau demande explication, c'est la bougie que l'on voit dans la main de Joseph. Elle provient d'une autre source littéraire. Une mystique suédoise, Sainte Brigitte, s'est rendue en Terre Sainte à la suite d'un rêve prémonitoire. Elle a eu alors une vision de la Nativité qu'elle décrit dans ses révélations. À l'en croire, la scène se serait déroulée dans une caverne. Voyant le moment décisif arriver, Joseph part chercher une bougie, apparemment, chez les voisins de la grotte d'à côté. Mais, à son retour, il s'aperçoit que la bougie est inutile, car la lumière vient de l'enfant lui-même. Ce caractère narratif, voire anecdotique, se retrouve dans d'autres tableaux de Campin. Ainsi, dans les deux scènes de la vie de Joseph conservée au Prado, qui font partie d'un rétable dont les autres éléments ont été perdus. Ce sont les deux premiers éléments, alors que dans le rétable d'origine dont une copie est préservée, suit après ces deux grandes scènes une nativité et ensuite deux autres scènes dans lesquelles Joseph exprime des doutes sur l'origine de l'enfant. Il n'est pas tout à fait sûr que c'est l'Esprit Saint qui a fécondé sa femme. Mais là aussi, donc autour de ce thème assez semblable au précédent, un ange intervient et le rassure. Maintenant, dans les panneaux préservés que vous voyez ici, on voit deux épisodes qui sont également absents des évangiles canoniques. Dans le premier, qui donc... Euh, pardon, non. Dans le premier que vous voyez là, et qu'on appelle le miracle du bâton fleuri, on voit <coughs> par quel moyen Joseph a été choisi au milieu de tous les prétendants. Car il y avait beaucoup de prétendants qui se pressaient pour épouser la Vierge, mais on avait demandé à chacun d'apporter un petit bâtonnet et seul le bâtonnet de Joseph que nous voyons ici se tient debout alors que tous les autres bâtonnets pendent vers le bas. Cet, euh, ce symbolisme euh, quelque peu transparent permet dans la scène suivante, de voir que Joseph épouse la Vierge, entouré de toutes sortes de personnages qui, là aussi, se bousculent un peu les uns à côté des autres, comme dans la nativité précédente. Plusieurs caractéristiques de ces tableaux les rattachent au monde ancien, au monde antérieur. Tout d'abord, cette soumission explicite de l'image au sens qui va jusqu'à l'apparition de mots dans le tableau, à la manière de nos bandes dessinées ou de l'art conceptuel, mais aussi, on le sait, de la conception chrétienne traditionnelle selon laquelle les images doivent illustrer les paroles de l'écriture sainte. Dans le tableau précédent, les montagnes abstraites que l'on voyait tout en haut dans le coin gauche du tableau participaient de cette même manière de représentation d'abstraction. Plutôt que de faits individuels, le point de vue d'où est observée la scène est d'ailleurs là aussi n'a pas été unifié ni singularisé. Les différents segments, on l'a vu, se juxtaposent plutôt qu'ils n'entrent en interaction. Les figures du premier plan ne sont pas vraiment situées par rapport aux figures de l'arrière-plan. La lumière non plus n'est pas unifiée, elle vient de derrière où on voit le soleil se lever comme si il y avait plusieurs sources de lumière simultanées. Les personnages humains n'ont pas d'ombre alors que les arbres, oui. Et pourtant, ici, comme dans le tableau suivant, nous sommes en face d'une grande innovation qui annonce avec force la mutation contemporaine de la mentalité. Il faut d'abord voir combien cette scène de l'histoire sacrée, comme les suivantes, est rapprochée de l'espace profane quotidien. La présence même des sages-femmes placées au premier plan et attirant l'attention par leurs propos devenu donc le foyer narratif de cette scène est significative. C'est donc une naissance comme les autres, comme les nôtres, avec des sages-femmes appelées au secours le thème du doute concernant l'Immaculée Conception, évoqué ici comme dans les épisodes de vie de Joseph, est lui-même éminemment humain. La centralité de Joseph n'est pas moins significative. Habillé de rouge, il capte aussitôt le regard et son genou droit, sur lequel nous voyons un reflet de lumière, représente le centre lumineux, le, le point focal du tableau. Le petit Jésus est tout aussi étonnant. Au lieu de représenter comme d'habitude un garçon rondelé qui regarde le monde avec aisance, Campin nous fait voir un nouveau-né, maigrichon et impuissant, un enfant humain. Du reste, la lumière surnaturelle qui émane de lui et qui a rendu inutile la bougie de Joseph, elle-même ne semble pas suffisante à Campin, alors qu'elle l'était pour Sainte-Brigitte. Il ajoute la lumière bien naturelle du soleil derrière. En fin de compte, le monde naturel l'emporte. Sur le monde surnaturel. À cette modernité thématique, à ce rapprochement du sacré avec le profane, s'ajoute une attention révolutionnaire pour les particularités des choses. Nous voyons les moindres égratignures sur le bois de l'étable, les lattes cassées, la terre desséchée. Pour peindre cette étable, il a fallu faire confiance à ses yeux, non à un savoir théologique. Nous voyons aussi dans le coin droit haut du tableau un paysage peint avec une précision étonnante. Nous sommes de toute évidence au mois de décembre, dans le nord de la France ou en Flandre. Les arbres le long de la route ont été, dont on voit les longues ombres matinales, ont été émondés. Les branches sont coupées. Une femme porte un panier sur la tête. Une autre se tient sur le pas de sa porte, la scène se déroule à un moment du jour, en un jour de l'année. Le ciel bleu à l'horizon qui pâlit a remplacé le fond d'or habituel dans ce genre de tableau. De plus, ce paysage est embrassé d'un coup d'œil, comme dans aucun tableau contemporain. Ou antérieurs. Les êtres eux-mêmes sont individualisés. Pas vraiment les anges, mais la vache avec son œil brillant est bien une vache tout à fait particulière et non pas une catégorie abstraite de vaches. Les hommes ont également des traits caractéristiques en particulier les bergers mais aussi le visage de Joseph les femmes sont toujours moins individualisées chez Campin, ce sont plutôt c'est plutôt un type que des femmes particulières mais Joseph lui c'est un homme simple, âgé, qui n'a plus ses cheveux, son visage mangé par une épaisse barbe blanche, alors que dans le voyage dans le mariage de la vierge, c'est encore un homme bien reconnaissable, mais pas le même que précédemment. Le rapprochement entre sacré et profane est également illustré par une autre série de tableaux de Campin dans lesquels il montre une sainte femme, la plupart du temps la Vierge, mais qu'il installe dans un cadre quotidien. Son exemple peut-être le plus réussi, c'est Sainte Barbe. Ce tableau, comme son pendant, qui montre le donateur introduit par Saint Jean-Baptiste, font partie d'un triptyque dont la partie centrale devait être une annonciation, mais qui a été... Perdu. On s'aperçoit, en voyant ces tableaux, que Campin y a intégré les leçons de ces cadets Van Eyck et van der Weyden. À gauche, dans le tableau de gauche, dans le panneau de gauche, on voit... D'abord, le miroir dans lequel se reflète une autre partie de la même pièce, ce qui est probablement une référence à ce même procédé dans un tableau de Van Eyck, le célèbre portrait des Arnolfini, les, le fiançailles des Arnolfini, de même que la carafe à demi rempli qui reflète la lumière à droite. Le raffinement des visages, la répartition dans l'espace en accord avec les règles de la symétrie trahissent l'influence de son disciple génial Rogier van der Weyden. Sinon, on retrouve dans la représentation de Sainte-Barbe, les éléments des autres tableaux figurant la femme au foyer, un mobilier tel qu'on pouvait le trouver dans un intérieur flamand de cette époque, le feu dans la cheminée, le paysage qu'on découvre par la fenêtre et qui se poursuit dans l'autre panneau avec une tour en construction symbole de Sainte-Barbe, enfin la femme plongée dans la lecture de son livre. C'est dans cette même série de tableaux qu'on peut observer ce qui est peut-être la contribution la plus significative de Campin à la construction proprement picturale de ces tableaux. Les peintres antérieurs et lui-même dans ses tableaux précédents peignent des objets ou des êtres qu'il cherche à situer dans un espace. Alors que ces tableaux du groupe Femmes au foyer, comme Sainte-Barbe ici, représentent un espace qui se trouve être habité par des êtres et des objets. La surface du tableau cesse d'être cette étendue opaque sur laquelle se juxtaposent les figures et se transforme en une fenêtre transparente à travers laquelle on observe une partie du monde. Sainte-Barbe, qui a probablement bénéficié des leçons de Van Eyck concernant l'intégration de l'espace, nous montre bien un lieu une chambre avec des personnes à l'intérieur, non des figures dont on cherche le lieu. Cette évolution signifie que Campin humanise progressivement non seulement ce qui est vu, mais aussi la manière dont c'est vu. La nativité qu'on a vue tout à l'heure représentait une scène Qu'aucun spectateur individuel ne pouvait avoir vu. En revanche, chacun de nous pourrait s'imaginer que par une fenêtre ou une porte, il observe cette Sainte Barbe installée devant le feu dans sa chambre. Dans l'autre volet, où l'on voit le donateur Heinrich von Werl, plus rigoureux encore dans sa construction de la perspective, le paysage champêtre se prolonge, les visages respirent le recueillement. Face à ces tableaux, le spectateur d'aujourd'hui n'éprouve plus la tentation d'en extraire des fragments plus petits mais plus cohérents. Ici, on a bien l'impression d'être confronté. Dans chacun de ces deux panneaux, à un espace unique. À cet égard, Campin a sensiblement évolué par rapport à sa nativité. Cela n'empêche pas d'observer quelques natures mortes, comme euh, par exemple le, le ver, le, la carafe d'eau, ou quelques paysages urbains ou ici champêtres mais a disparu cette impression donnée par les tableaux antérieurs, à savoir que Campin, animé par une horreur du vide, remplit chaque centimètre carré de son tableau par un détail supplémentaire. La représentation d'individus n'avait évidemment pas été absente des tableaux évoqués jusqu'à présent, que ce soit Joseph, ou les personnes qui l'entourent, même si la représentation de ces personnages obéissait aux exigences d'expressivité avant tout, parce qu'il ne se posait pas une question de ressemblance. Ici, en revanche, avec le donateur von Werle, nous avons affaire à un individu réel tel qu'il a existé en dehors des tableaux. Il est, comme on le voit, de même taille que Saint Jean-Baptiste ou que Sainte Barbe, mais à la différence des deux saints dont les visages sont en quelque sorte génériques, lui, il est plus clairement individualisé. Eh bien, Campin ne s'est pas tenu à cette inclusion de portraits individuels dans les compositions d'ensemble, il a également pratiqué le portrait isolé, où le statut indépendant du tableau renforce la mise en valeur du personnage. Chacun confirme la nouvelle autonomie de l'individu. Il est l'auteur de plusieurs portraits qui ont été perdus, dont on ne possède que des copies tardives. Ou des mentions écrites. Cependant, on s'accorde pour lui attribuer au moins trois portraits. D'abord, celui de Robert de Mamine, préservé en deux exemplaires, mais dont l'original serait celui de Madrid, également à la fondation thyssen bornemischa et de deux portraits anonymes que l'on verra dans un instant. Par rapport aux portraits antérieurs, ceux de Campin se distinguent d'abord par leurs modèles et destinataires. Ce ne sont plus des rois ou des princes, mais des nobles moins haut placés, voire des bourgeois. De ce fait même, ces portraits se multiplient. Surtout, la manière de représenter le visage nouvelle. Le portrait de Mamine, que nous voyons ici, peut être daté avec approximation, car ce chevalier de la cour de Philippe le Bon est mort en août 1430. Étant donné qu'il ne porte pas, comme l'auraient exigé les convenances, l'insigne de la toison d'or reçue en janvier de la même année, le portrait doit être antérieur à cette date. Il doit dater à peu près de 1429. Ce qui le caractérise d'abord, c'est que Campin semble obéir ici à la seule exigence de vérité, sans faire des concessions aux conventions de beauté. Car ce mamine a un visage massif, épais, lourd, qu'anime aucune aspiration visible à la spiritualité. C'est un peu, d'après ce qu'on voit, un personnage volontaire et un peu buté, qui regarde dans le vide, sans manifester un grand intérêt pour le monde qui l'entoure. Campin ne nous fait grâce d'aucune de ses rides, d'aucun de ses poils. Tous les modèles de campain sont représentés de trois quarts, regardant à gauche ou à droite. Ils sont extraits de leur cadre familier, figés dans une pose immobile. Alors que c'est bien un moment du temps qui se trouve représenté, ainsi la barbe de mamine doit avoir deux jours, peut-être, ce moment est suspendu pour toujours. Campin veut saisir l'identité profonde de l'individu. Moyen d'exclure tout ce qui n'est pas indispensable à cette représentation de l'être, il laisse, comme dans les portraits antérieurs, très peu d'espace en dehors de la tête de ma mine, le juste nécessaire pour qu'elles ne touchent pas le cadre. Les portraits d'hommes et de femmes inconnus témoignent d'un art plus raffiné. Ils se trouvent à Londres. Et il est tentant de les imaginer postérieurs aux portraits d'hommes. Que Van Eyck a peint cette même année. Un portrait lui aussi affublé d'un turban rouge, comme dans les portraits de Campin. On pense que le portrait de Van Eyck est un autoportrait pour des raisons dignes de avec un art digne d'un détective moderne les historiens de l'art ont pu établir avec quelques vraisemblance que ce serait là le portrait l'autoportrait de van eyck et donc le premier autoportrait dont nous ayons la certitude dans la peinture occidentale qui ressemble à son à son auteur, car il existe des autoportraits au Moyen Âge, mais qui ne sont que signifiés au lieu d'être réellement représentés, tout comme le portrait de Robert de Mamine était le premier portrait d'un homme ordinaire qui ressemble à ce qu'il a véritablement été, dont nous disposons. Les deux personnages formant diptyque, les deux panneaux sont de dimension égale et ils donnent l'impression de se regarder en quelque sorte l'un l'autre, de pouvoir être accrochés sur le même mur de sorte qu'ils enferment un seul espace, sont plus sereins que... Robert de Mamine. Sans être idéalisés, leurs visages sont plus nobles. Campin reste méticuleux dans la reproduction des particularités de ses modèles, mais la lumière est plus douce et il donne l'impression de respirer plus à leur aise que Mamine. L'anonymat qui est le leur aujourd'hui est significatif. Il suggère que ce ne sont pas là des personnages de premier plan, car toutes les recherches acharnées des historiens de l'art ont été stériles. On n'a jamais pu identifier ces deux personnes. Autrement dit, elles ne devaient pas être des personnes particulièrement remarquables, sinon on l'aurait su. Selon toute probabilité, il s'agit d'un couple de riches bourgeois de Tournai ou de Lille ou de Valenciennes. La fonction de ces deux portraits semble également nouvelle. Elle n'est ni commémorative, ni glorifiante comme l'étaient les portraits antiques. Et les portraits ne sont ni l'expression de l'amour, ni la simple preuve de l'art du peintre. Selon toute vraisemblance, cet homme et cette femme ont commandé leur portrait parce que ainsi font les princes, ainsi font les autres. Comme eux, ils se sont adressés au peintre le plus renommé de la région. Leurs portraits témoignent, autrement dit, d'un fait social nouveau, le nouveau respect accordé à la personne individuelle. Ces portraits ne servent aucun objectif qui leur serait extérieur. Ils attestent la reconnaissance dont jouit le modèle et la dignité nouvelle dont il est pourvu. Ces personnes ont pris la place de Dieu dans le système du symbolisme universel. Ils sont désignés par le tableau, eux-mêmes ne désignent rien. Je fais allusion ici à la doctrine chrétienne telle qu'elle avait été formulée il y a bien longtemps par Saint Augustin, qui disait, toute chose existante en ce monde est symbole d'autre chose. Ainsi, de proche en proche, elle désigne le créateur de l'univers, Dieu lui-même. Dieu seul n'est pas le signe de quelque chose. Il n'existe qu'en lui-même. Eh bien, à partir du moment où les peintres flamands ont commencé à peindre des individus ordinaires qui les entourent, quelqu'un d'autre a cessé d'être un signe et a commencé à valoir par lui-même. Et ce quelqu'un, ce sont les hommes et les femmes ordinaires. Le portrait flamand ne nous montre pas des personnes engagées dans l'existence quotidienne. Il cherche chaque fois à en saisir une essence intemporelle. Ce sont pourtant des essences individuelles des abstractions singulières non des catégories abstraites illustrées par des individus robert de mamine le gentilhomme la noble dame ne sont pas l'incarnation d'un concept abstrait ou l'obstination ou l'intelligence ou la distinction ou la beauté ils ne sont qu'eux-mêmes, mais ils le sont pleinement, essentiellement, non tels qu'ils se montrent à un moment particulier de leur existence, engagés dans une action située dans un cadre spécifique. Ces femmes et ces hommes sont immobiles, silencieux, ils ne sourient pas, ne gesticulent pas. Ils sont détachés du reste du monde, ils regardent à l'intérieur d'eux-mêmes, calmes et intenses à la fois. À voir ces portraits, nous avons l'impression d'entrer en contact avec une région de l'être à laquelle on n'a aucun autre accès. Ces portraits, nous montre quelque chose de plus que nos yeux n'auraient pu nous révéler. Les premiers individus de la peinture européenne possèdent une puissance et une solidité qui se sont rarement retrouvés depuis. Ce qui devient pour nous aujourd'hui une raison de plus de les fréquenter et de les chérir. Merci.